We will now have stories of three victims. First we have Frederik here. Frederik is from France. Then we have people from Russia. We have people here come from Russia, France, very far away. Then we must ask the woman from Russia, can you first talk? Be the first speaker? Oh, okay. Bert, can you wait for... Okay. Frederik is targeted and he did something special, what not all the others do. Yeah, so I am a TI from France since 1998. And I have managed to understand that I was under surveillance. I was having gang stalking, and then also electronic harassment and torture during the nights, sleep deprivation. I have tried to escape to Turkey. It was following me. I have tried to escape to India. I have lived there 4 years. And all over India, they have followed me everywhere. They were tracking me down, and they were people, they were foreigners. They were not so much local people from the country. So it was easy for me to detect what they were doing to me. So I have passed 10 years or more to try to understand everything what they were doing by myself. I was using my logical thinking, that's all. And then it's only in March 2015 that I decided to build a shielding protection. And I found many websites on the internet with people trying to do the same. And they were trying to save themselves from electromagnetic torture. Then I realized that I was not alone. So I decided to speak out to my family and to my friends. I was explaining them everything that was happening to me since 17 years. And I did this slowly and with a lot of patience and a lot of pedagogy. So they have finally understood me and they believe me. And one of my friends told me, I think we should make something special about your story. Because he is a student in a cinema school in Paris. And he told me, I want to make a documentary about yourself. So we will come to you to your home. We will stay 3 days. We will make 5 hours of filming. You will only speak about your story with the details. But we will make a short movie at the end. It will be only 20 minutes with the main things. And I want to show this presentation to you because it's an artistic documentary. It's not trying to explain the things, it's just trying to show someone feeling something happening to him and being a victim and trying to testimony about this. So if I get a good response from you about this presentation, maybe I will try to show it in my country, in France, and maybe I will make a next part with more explanation and more details. Mon père est mort en l'an 2000. Et donc, contrairement à ma mère et à ma sœur,
mon père n'a pas pu être au courant de ce qui m'arrivait. Pourtant, c'était en 1998-99. Il est venu me voir et il m'a dit, Frédéric, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est tourmenté. Viens, on va parler. Et il m'a amené dans son garage, on a fermé la porte, on est rentré dans sa voiture, on a fermé les portes. Et là, il m'a dit, maintenant on est tranquille, on ne peut pas nous entendre. Il m'a dit, explique-moi de quoi s'agit-il. Alors c'est là que je lui ai dit, voilà, la gendarmerie m'a demandé de m'expliquer sur certaines choses, ceci, cela. Et mon père m'a dit, bon, ça va, c'est pas si grave que ça, peut-être qu'ils se sont intéressés à toi à cause de ça, mais ça va passer, il faut que tu laisses le temps passer. Et finalement, mon père n'a jamais su à quel point les choses étaient plus graves et à quel point j'ai pas pu réussir à m'en débarrasser. J'habitais encore dans la maison familiale avec ma famille et mes parents. Et la seule chose que j'ai remarqué, c'est que notre voisin de droite est parti. Et une dame toute seule est venue s'installer. Et apparemment, elle devait bosser à l'intérieur de la maison parce que de temps en temps, elle sortait dehors le soir pour aller fumer une cigarette à l'extérieur. Je me suis dit, c'est bizarre, on dirait qu'elle est là pour travailler dans l'appartement. Et qu'elle fait une pause cigarette de temps en temps en fumant à l'extérieur de son bureau, comme si chez elle c'était son bureau. Et je me suis rendu compte que je subissais des douleurs, des spasmes qui m'arrivaient dans le bas ventre. Ça se passait chez moi, ça se passait la nuit, ça se passait même des fois dans la journée. Et c'était par rapport à cette dame qui était là, présente, et de temps en temps, elle recevait des personnes, des invités qu'elle recevait, des voitures qui venaient, et des gens, des hommes, des femmes, des personnes, montaient avec elle dans la maison qui était juste à droite de la nôtre, qui avait un rez-de-chaussée et un étage, et je les entendais monter en haut à l'étage, et je les entendais parler à travers les fenêtres ouvertes ou à travers les murs, on n'était pas très loin en fait. Je les entendais parler, je les entendais rigoler, je les entendais dire des choses, et ça avait l'air d'être synchronisé avec les douleurs que je ressentais. Et par rapport aux réactions que j'avais par rapport à ces douleurs, des réactions de défense, ou des réactions de douleur, des réactions de difficulté, d'angoisse, ou d'énervement, je sentais les personnes réagir verbalement à ce que je vivais. Et donc je me suis dit, c'est bizarre, il y a une connexion, c'est probablement ces personnes-là qui sont en rapport avec les douleurs que je ressens, et qui sont aussi capables de réagir par rapport à ce que je vis et ce que je subis. Donc elles sont capables peut-être de m'influencer à distance et de lire mes pensées à distance. Donc je suis parti de cette hypothèse, je me suis dit, après tout, soyons fous, imaginons que ce soit possible, partons du principe que ce soit possible, essayons d'analyser cela. Et j'ai passé le reste du temps à réfléchir sur cette possibilité. Et j'ai trouvé des hypothèses et des confirmations d'hypothèses en faisant des expériences moi-même pour essayer de vérifier si telle hypothèse était vraie, si telle hypothèse était faute. Donc je me suis rendu compte, en effet, que ces gens qui me torturaient chez moi, c'était les mêmes qui m'ont torturé sur mes lieux de travail. C'était les mêmes qui me torturaient quand je travaillais à l'extérieur et quand j'allais dormir dans les hôtels dans toute la France. C'était les mêmes qui me torturaient quand j'allais dans un restaurant. Donc c'était fait exprès pour que je me rende compte qu'ils étaient là. Et leur but, c'était ça. C'était que je me sente tellement harcelé, tellement envahi par eux, que toute ma vie serait régentée par ce harcèlement. Je ne pourrais plus vivre sans cela. Je serais obligé de conduire ma vie en tenant compte du fait que j'étais en permanence sous surveillance. Il fallait donc que je fasse tous mes actes et toutes mes pensées autant publiquement que intimement, il fallait que ça soit en accordance totale avec le fait que j'étais sous leur contrôle, sous leur surveillance, et que jamais, nulle part, à aucun moment, je ne pouvais leur échapper. Et c'était leur but. Le harcèlement est devenu très douloureux. Et il a fallu que je m'échappe de là où je vivais.
et il a fallu que je demande à ma famille de m'héberger. Et là, il a fallu que je leur raconte tout ce qui m'arrivait. Donc, je vous dis que depuis quelques années, ça a commencé en 98. Je suis suivi en permanence, je suis contrôlé en permanence, je suis torturé en permanence. Et ce sont des groupes qui travaillent pour le gouvernement, des agences privées probablement, des agences gouvernementales, qui m'ont fait ça en France, qui m'ont fait ça partout là où je vivais, qui m'ont fait ça là où je travaillais, qui m'ont fait ça là où je partais en vacances, qui m'ont fait ça à l'étranger, là où j'ai vécu en Inde. Et ça a été un peu difficile à ma famille pour comprendre ce qui se passait, mais en patientant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, le temps que je leur explique tout ça plusieurs fois avec patience et en détail, elles ont fini par comprendre que ce qui m'arrivait, c'était pas une hallucination, quoi. C'était pas quelque chose qui était de l'ordre d'un délire. C'était pas du délire, c'était quelque chose de réel. J'arrivais à me rendre compte de la présence de ces gens, vous savez comment, en les regardant dans les yeux. Ces gens qui me suivaient, il suffisait que je tourne la tête vers eux et que je les regarde droit dans les yeux. Et à ce moment-là, je me rendais compte, à l'instant où je les regardais, je savais s'ils étaient en train de penser à moi ou s'ils étaient en train de vaquer à leurs occupations et qu'ils n'avaient rien à voir avec moi. Et je me rendais tout à fait compte que la façon dont ils réagissaient à mon regard, je savais qu'ils étaient en train de penser à moi juste quelques secondes avant. Ils étaient en train de me regarder quelques secondes avant. Ils étaient en train de me suivre. Et à partir du moment où je les repérais, éventuellement, ils décidaient de bifurquer et d'aller ailleurs. Ce qui fait que tous les jours, j'étais suivi par des personnes différentes. Et c'était à Yulia Fakar, en 1998. J'ai travaillé là-bas pendant 2 mois, à la hotline, en français, en anglais et en espagnol, pour l'intranet européen de Yulia Fakar. Et on devait dépanner des problèmes informatiques par téléphone. Et je n'y connaissais rien. Donc on m'a formé pendant le premier mois, les 2 premiers mois, ça a été de la formation. Et en fait, je me suis rendu compte que tout début, on était dans un bâtiment déporté. On n'était pas dans le bâtiment principal. On était dans un bâtiment qui n'était pas celui de l'HP. Et au bout de 2-3 semaines, où on a commencé à travailler dans ce bâtiment, on nous explique que finalement, on est déporté à nouveau et on va s'installer dans le centre de HP, on va s'installer dans HP, et on sera au premier étage. Donc il y aura un rez-de-chaussée en dessous et un deuxième étage au-dessus. Ok, bon ben on se prépare et on prépare nos affaires, et puis le lundi suivant, on démarre dans le bâtiment principal. Et là, je remarque qu'on est dans un open space. Il y a des bureaux, il n'y a pas de cloison. Sauf... toutes les 3 rangées de bureaux, il y a une demi-cloison, à peu près. Donc nous, on occupe 2 rangées de bureaux. Et il y a une 3e rangée qui est vide. Une 3e rangée de bureaux qui est vide. Bon, je vois qu'il y a des bureaux vides, je ne me pose pas de questions. Et au bout de quelques jours, il y a des gens qui viennent et qui s'installent dans les bureaux vides. Et ils ne travaillent pas avec nous. C'est pas notre équipe à nous. Nous, on était une équipe d'une dizaine de techniciens. Et ces gens-là, n'ont rien à voir avec nous. Ils sont dans le même open space que nous. Il n'y a pas de séparation. Je trouve ça assez bizarre, mais bon, laissons tomber. Et finalement, je me mets à écouter ce que ces gens-là disent entre eux. Parce que j'étais en formation, donc en fait, je passais mon temps à écouter les autres en train de m'expliquer les choses. Alors je me suis mis à écouter dans toutes les directions. Je me suis mis à écouter de partout en même temps. Et je suis assez doué pour le faire. Et donc j'écoutais les conversations simultanément et je comprenais que les gens qui étaient installés à côté, et il y avait des Français et des Américains dans cette équipe, parce que ça parlait en américain aussi. Et ils parlaient de moi, ils parlaient de ce que je faisais dans la journée, de ce que j'avais fait la veille, de ce que j'avais fait la semaine dernière, donc ils parlaient de moi. Mais ils avaient un nom de code, ils parlaient de Nathalie. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, à chaque fois qu'ils parlaient de Nathalie, c'était de moi. C'était le nom de code qu'ils avaient trouvé pour parler de moi sans trop en avoir l'air. Et les Américains qui parlaient de moi, ils faisaient des commentaires sur les mots, sur le vocabulaire que j'utilisais. Ils parlaient de ma sémantique et de ma sémiologie. Ils essayaient de comprendre comment mon esprit fonctionnait à travers le langage que j'utilisais.
Donc ils étaient en train de faire une étude de ma personnalité sur le lieu du travail. Ils étaient venus pour étudier mon comportement sur le lieu du travail, avec les collègues, avec ce qu'il y a à faire. Et ils étaient là en train de faire une étude, et c'était au tout début du harcèlement, quand ils voulaient justement cerner un peu plus mon fonctionnement de ma personnalité, pour mieux trouver après les failles, pour trouver les moyens de me faire plier ma volonté et d'obtenir... I'm sorry, I've made a video because we are running out of time in this conference. We will put it on the internet, put a link to your video. Yeah.